Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un short pour enfants. C'est pas seulement pour les filles, mais pour les garçons aussi, parce que c'est un short simple pour les tailles moins de 12 ans. Donc, pour le métrage, c'est longueur short plus 2 cm d'ourlet en bas, plus largeur élastique volume multiplié par 2 plus 3 cm pour les petits bébés qui mettent des couches. Donc, pour les mesures nécessaires, on aura besoin du longueur de short noté L short et tour de bassin noté TB. Donc je vais vous montrer comment on va prendre ces mesures. Donc pour longueur short, c'est à partir de la taille jusqu'à la longueur voulue. Voilà. Et pour le tour de bassin, c'est ici, à partir d'ici. N'oubliez pas de mettre 2, 3 jusqu'à 4 doigts entre le corps et le ruban mètre selon l'âge de l'enfant. Voilà, donc maintenant pour le patron, j'ai déjà tracé, on aura besoin du tour de bassin divisé par 4 et j'ai tracé un rectangle de 75 cm sur 30 cm ici. Donc on va commencer avec largeur d'élastique multipliée par 2, pour moi c'est 3 cm. Donc multiplié par 2, ça serait 6 cm pour mettre l'élastique. Voilà. Donc c'est 3 fois 2. Et après, je vais ajouter les 3 cm pour les couches pour que le short soit confortable et non pas serré. Après, on met la longueur du short voulu. Pour moi, c'est 18 cm. La taille d'un enfant de 2 ans. Longueur short, L short, et on ajoute 2 cm d'ourlet en bas, 2 jusqu'à 3 cm d'ourlet en bas. Donc ici c'est pour 2 ans, 3 ans. Et 2 jusqu'à 3 cm d'ourlet en bas. Donc maintenant, on trace tour de bassin divisé par 4 à partir de ce point. Si votre enfant ne met pas de 2 couches, alors vous allez commencer à partir du 6 cm. Donc ici, tour de bassin divisé par 4 et on va travailler sur cette ligne ici. Donc d'abord, on va commencer avec le devant. On va tracer 3 cm. Voilà, encore 3 cm en haut, 3 jusqu'à 4 cm et après on trace cet arc, ce petit arc. Tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm et je vais ajouter encore 2 cm parce que si vous voulez les côtés de short seront ouverts. Sinon, n'ajoutez pas les 2 cm si vous voulez que le short soit fermé du côté. Donc j'ai ajouté 2 cm pour la couture des côtés. 1 cm de chaque côté du devant et 1 cm pour la partie du dos. Voilà, donc ici, à partir de ce point jusqu'à celui-là, c'est tour de bassin divisé par 1. Et j'ai ajouté le 1 cm de couture pour le devant et 1 cm de couture pour la partie du dos. Je veux que le short soit ouvert des côtés. Sinon, si vous voulez qu'il soit une seule partie, n'ajoutez pas les 2 cm. Sinon, vous pouvez les ajouter seulement pour que le short soit un peu large et très confortable. La même chose de l'autre côté pour le dos. Je vais ajouter tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm, plus encore 3 cm comme le devant. La différence entre le dos et le devant, ça serait le tour de bassin divisé par 16. On va ajouter une petite partie de tour de bassin divisé par 16. Pour moi, c'est presque 3 cm.
Et ici, je monte avec 8 cm au lieu de 4 cm. Et je descends ici avec 1 cm. Et j'essaie de rassembler ces 3 points avec un arc. Voilà. Donc, c'est presque fini. Donc ici, je vais entrer avec 2 cm pour le devant et 1 cm pour le dos. Donc ici, 1 cm pour le dos et 2 cm pour le devant. Donc ici, on va tracer ici 3 cm de la différence entre le devant et le dos. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Et ici, c'est le dos. Le tissu est toujours plié en deux. Et je repasse avec une autre couleur. Voilà, j'espère que tout est clair, j'espère que c'est très simple. Donc on passe maintenant pour réaliser le short sur ce genre de papier. Donc ici, je vais découper le short sur un tissu plié en quatre. C'est mieux que le tissu plié en deux. Donc je vais faire les mêmes étapes. Donc cette ligne ici du milieu, ça serait celle à droite. Donc on va commencer avec les 6 cm de l'élastique, 3 cm pour les couches, 18 cm longueur de short voulu et 2 cm en bas de l'ourlet. Donc maintenant, je trace la ligne du tour de bassin divisé par 4 et on va commencer avec tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm plus le 1 cm de pour ceux qui veulent que le short soit ouvert des côtés. Donc tour de bassin divisé par 4 plus le 1 cm de couture plus 1 cm de couture pour que le short soit ouvert des côtés. Et après, j'ajoute les 3 cm du devant et du dos. Voilà, 3 cm ici et ici. Donc maintenant, il reste d'ajouter le tour de bassin divisé par 16. Voilà, c'est ici. Et je trace cette ligne. C'est celle-là. J'ajoute maintenant, je monte avec 4 cm et en même temps avec les 8 cm du dos. Ça, c'est pour le devant. Et j'ai oublié ici de descendre avec 1 cm pour le dos. Et ça, c'est pour le dos. Voilà. Donc maintenant, cette ligne, c'est pour le devant. Je vais entrer avec 2 cm. Ça, c'est le devant.
Et ici, c'est le do. Voilà. Donc c'est ça notre patron. Je vais découper maintenant selon le devant. Pardon, selon le dos, et après je fais les modifications du devant. Pour les 3 cm de la différence entre le dos et le devant et le dos, c'est jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez, j'ai découpé selon le dos et après, je fais comme ça, j'ouvre le tissu, j'enlève 2 parties pour le devant, pour le dos, et je découpe maintenant selon le devant. Voilà. Après, je trace les 3 cm de la différence entre le devant et le dos, ici. Donc, et voilà les parties du dos et du devant. J'ai laissé le short fermé des côtés. Donc après, je vais vous montrer maintenant comment on va les rassembler. Donc c'est très simple, c'est facile à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours. Merci pour ceux qui me suivent. Si vous voulez d'autres modèles, envoyez les photos sur ma page de Facebook Sima Style et je suis toujours là pour vous. Donc à bientôt!